Notre musique, elle vient de là. Elle vient de nos racines. Les instruments modernes qui la traduisent, les genres qui la définissent, ont tous la même âme. Tam tam. Tim tam tum refuse de s'éteindre, emportant nos voix chaudes à travers les ondes. Maurice Placide pousse le son. Merci garçon d'avoir choisi la station mère du pays pour finir l'après-midi d'aujourd'hui. C'est avec le cœur, la tête, l'âme et l'esprit que l'on reçoit les enfants de Thaï. Mbolo Thaï à Yves Languez, est-ce que ça va? Mais bien certainement, je crois. On reçoit pas n'importe qui sur le plan rapologique cet après-midi ici. Oui, communauté black, des garçons à part entière, entièrement à part, de par leur approche musicale. Et ceci va se connaître tout de suite et maintenant. Mbolo Thaï à tous et bienvenue aux hommes. Mbolo Thaï, Mbolo Thaï. Votre démarche musicale mêlée totalement, mais différente des autres dans le milieu, on parle de zik tradi, c'est-à-dire que vous, vous faites de la musique traditionnelle avec celle moderne. Pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres? Bon, ben, il faut dire déjà que nous, au sein de communauté black, hein, nous appelons ça du rap, c'est du rap. Mais bon, tout simplement, si nous avons amené la couleur traditionnelle là-dedans, parce que c'est d'abord notre musique, hein, c'est la première musique qui nous a bercé. On a grandi avec ces chants de village, ces tam-tam, ces instruments de chez nous. Donc, c'est pourquoi nous avons mis déjà la tradition dedans. Maintenant, le rap, il faut dire que c'est une musique universelle qui nous a beaucoup influencé. On a grandi avec, quand on commençait à faire nos premiers pas, c'est la musique qui dominait. Voilà, donc il faut dire que c'est l'influence de deux musiques, quoi. On ne pouvait pas se séparer de l'une de l'autre. Donc il fallait qu'on arrive à trouver le moyen de les marier, de faire un brassage pour faire quelque chose d'original. Absolument, mais ouais. Véritablement original, on doit le reconnaître. Nouvel univers, un album qui a été mais des plus beaux, des plus grands, des plus vendus, des plus répandus dans le pays. Voici Afrique. Ouyalil, que le continent d'Afrique, mère de ma race, ne pleure plus, ne pleure pas, parce que communauté black, c'est du bonheur à l'état pur. Il y a deux genres d'accordéon qui correspondent à deux types de musique différentes. Il y a l'accordéon utilisé pour le bol. C'est l'accordéon diatonique, il est plus petit. Et il est à bouton, bien sûr. Mais lorsqu'on tire, c'est un son, on donne un son. Et quand on pousse, c'est un autre son. C'est cet accordéon-là qui est utilisé pour le bol, le style bol.
Par contre, dans le style maringa, c'était un autre type d'accordéon. C'était un accordéon à bouton aussi, chromatique. Donc, quand on pousse et quand il y a, c'est le même son. Et c'est cet accordéon, ce genre d'accordéon que jouait Rébien Holbert. C'est ce genre d'accordéon aussi que jouait Georges de Mansalle et Camempert. Et d'autres personnes également, d'autres musiciens qui sont partis récemment. Je pense à Émile Anguillet, qui a été aussi l'un des musiciens qui a fait son temps et qui animait et qui jouait également l'accordéon chromatique pour la maringa. Rébien était auteur-compositeur, il était accordéoniste. Il nous a laissé un titre célèbre comme « Degomi Tondo », donc que tout chacun chante encore actuellement. « Degomi Tondo, Degomi Tondo, Okuiwami, Enmeno Zinizo ». Mais je crois que ça a été l'œuvre de monsieur Rébien, le père Rébien, qui était un grand joueur d'accordéon. Il avait constitué un ensemble de musiciens. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mon corps est dans ton cœur, dans ton sang, dans tes veines. Et c'est de la poésie. Hein? Absolument. C'est de la poésie. Moi, ma mamie, de nos cours, à mien, de go. Moi, ma mamie, de nos dans mon village, à Lambaréné, on aimait beaucoup l'accordéon. Et puis vous savez bien que l'accordéon, c'est un instrument qui se joue un peu partout. Vous allez dans le Haut-Ougoué, vous trouvez des accordéonistes. Dans le Haut-Lintem, vous trouvez des accordéonistes. Vous voyez, bon, un peu partout chez Nzibi, on en trouve. Alors, j'étais passionné par l'accordéon, si bien que j'ai commencé par fréquenter le milieu de l'accordéon. Alors, quel a été mon premier instrument? C'était jouer du tambour. Alors, Jean-Claude Mayombo jouait de l'accordéon. Et chez Ozaki, à Québéville, donc tous les samedis, il y avait un bal accordéon. Et moi, j'ai pénétré le milieu, j'ai commencé à jouer du tambour. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas jouer de l'accordéon? Eh bien, c'est comme ça que Mayombo, ayant commandé un accordéon depuis la France, j'empruntais de temps en temps, on était tous à la Signe Orvindo, avec ma deuxième petite sœur, Joël Bocassa. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fredonner des airs, les airs que j'écoutais tout le temps quand je rentrais dans le milieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, peut-être pas interpréter tout de suite, mais sinon faire un peu de do, ré, mi, fa, sol, ré, si, do, chercher les notes qui s'y prêtaient pour pouvoir avoir le son voulu, quoi. Chéri Coco à la maman, mon moto à la maman, à la maman, la vie qui me gironda, il est doux, ni salon, ni bicawe, mon moué. Chéri Coco, c'est toi-même. Chéri Coco, c'est toi-même. C'est toi-même qui m'avais refusé. Je n'avais pas le temps de te refuser, chérie.
Kaki, oui. Où puisses-tu ton expérience, ton inspiration? Ben, mon inspiration, je le puise dans ce qu'a fait Monsieur Munanga Paul-Marie. Monsieur Munanga Paul-Marie fut un grand musicien. Il avait un style particulier qui rimait avec un rythme Ikoda et le soulevé. Chéri Mensa Kabounye, Munanga Paulé, Chéri Mensa Kabounye. C'est une danse exécutée à partir du son de l'accordéon. Je me suis penché là-dedans et j'ai fait mes recherches dedans. Et là, j'ai trouvé un chemin où, à chaque fois, quand j'ai un sujet, je me rabats dans le jeu de Munanga Paul-Marie à la guitare. Et de l'autre côté, maintenant, je vois le sujet, je pose un style et puis c'est parti. Baba yanalo, itu kushamuke kavizogam, ban 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 balalwecho, model model shinga nikodo, hip-hop manya de sabodo, nabata nabanyama model model, nabangaba nabivondo model model, nabakoko nabataba model model, ya vidimo, ya belmo, habo bukumanze gabangabe. Arondo venza bagenza arondo Voilà, là c'est dans le style écho, hein. C'est de l'écho là. Bon, je vais essayer de faire maintenant un scotis, hein, un scotis, parce qu'il y a le scotis et le scotis valsé. Mongi Marina Ronda Goncala, Niki Gana Mazele ni Ronda, Tino Kuwawe. Le premier orchestre gabonais que je connaisse a été fondé par celui-là même qui nous a légué l'hymne national. Je voudrais parler du regretté Georges Damas Aleka qui avait créé la Billy Max. Après Billy Max, ça a été l'orchestre Sainte-Cécile, du nom de notre sainte patronne.
toujours par le même Georges Damas Aleka. Il y a des bateaux de guerre qui venaient, qui faisaient escale ici. Et tantôt, une équipe de football descendait pour se confronter un peu aux équipes locales. Tantôt, c'était d'autres manifestations. Et puis, cette fois-là, c'était un orchestre qui était descendu. C'était des camionnets conduits par le docteur Sambo. Il vient ici, il émerveille tout le monde, il joue du chant militaire, des marches militaires, il joue du chant d'église, il joue la musique de danse. Mais il y avait surtout des cuivres là-dedans. Hein. Il n'y avait pas de cordes, mais c'était des cuivres, des saxophones, des trompettes, des bugles, tout ce que vous voulez, trompettes, etc. Donc ils jouent ici, ils émerveillent les gens. Et le père Damas, en collaboration avec M. Issembe Émile, ils écrivent donc au gouverneur général à Brazzaville pour demander des instruments de musique pour qu'eux aussi puissent former au Gabon une fanfare du genre de la fanfare Sambo. C'était en 1950. Et c'est comme ça que la France a fait don d'un lot important de matériel. Et mon père a été chargé d'encadrer tout ça. Et c'est comme ça qu'est née l'harmonie Sainte-Cécile. Et puis, malheureusement, la Sainte-Cécile, après avoir fait ses beaux jours, a fini par se disloquer. Mon père en a été très, très affecté. Et nous, qui n'étions trop jeunes pour faire de la musique, on a ressenti ça comme un défi à relever. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit à notre frère, ben, quand nous serons grands, ben, ma foi, nous allons nous aussi faire de la musique. C'est un peu comme ça que chacun de nous est reparti avec ce défi dans le cœur et qu'avec le temps, nous nous sommes mis dans telle condition pour faire de la musique. Après la Sainte-Cécile, ça a été l'orchestre Okolongo. L'orchestre Okolongo qui était dirigé par Jean Diouf. L'orchestre Okolongo n'est pas né ex abrupto. C'est le mien. Hein? Le Okolongo, c'est l'arbre, le tronc d'arbre même, vide, qui n'a plus de branches, qui n'a plus de feuilles, qui... Parfois même, c'est vraiment un tronc comme un piquet lancé. Il n'y a plus rien. Mais les oiseaux viennent quand même. C'était pour faire allusion à cette situation selon laquelle nous, à 21h, quand on ouvre les bars, on n'a pas beaucoup de clients. Mais vers 1h du matin, la salle était comble. Parce que notre manière de jouer le biguine n'était pas celle des autres. Elle jouait le biguine sur partition. Or, la biguine, que je crois vous appeler maintenant le zouk, mais quand on veut bien jouer la biguine, il ne faut pas la jouer sur partition. La grimace qu'on fait au saxophone pour jouer une biguine, la fioriture, vous ne pouvez pas écrire ça facilement à la musique, sur une partition. Les autres ont des partitions, nous, on joue de l'oreille. C'est comme ça que là, ça nous donne. Mais vous, maintenant, je vous appellerai Okolongo. C'est comme ça que le nom Okolongo est parti. Okolongo, ça a été mes premiers pas, en tant qu'adolescent d'ailleurs. À l'époque, j'avais 15-16 ans. C'était mes premiers pas dans la musique. Au départ, j'y allais pour. Par curiosité, pour voir un peu les autres, les gens Diouf et autres évoluer. Et puis, tout doucement, je me suis plu à l'exercice. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout au début à chanter avec l'orchestre, à toucher à tel instrument. Parmi les premiers instruments que j'ai touchés au sein de l'orchestre Okolongo, c'est la clarinette. En prenant, pour exemple, mon oncle Rorangi Robert, mais aussi au sein de l'orchestre Okolongo, un aîné comme Joachim Diouf, le
le frère cadet de Jean Diouf. Et c'est comme ça qu'on a commencé, entre les petites percussions, le chant, et puis je me suis mis à d'autres instruments. Et c'est comme ça qu'avec le temps, entre le clavietta et l'accordéon et tout ça, bon, j'ai évolué tout doucement vers le, au sein de l'orchestre. Et j'étais l'un des chanteurs de l'orchestre au Colombo, aux côtés de mes aînés, les Songani, Jean Diouf et autres. Donc c'était une bonne époque. Comme souvenir de l'orchestre au Colombo, j'ai mon saxophone. Vous remarquerez que il n'y a pas de caoutchouc. Parce que les autres saxophones mouraient. Les premiers de la Sainte-Cécile, beaucoup d'instruments mouraient. Ils mettaient le caoutchouc. Alors le caoutchouc, ça rouille, tout ça. Mais celui-là, vous remarquez qu'il n'a pas de caoutchouc. Il est de 1961 et je le garde. Indépendance, inche yazo, yalengozwe, lile yomba. Indépendance, inche yazo, yalengozwe, kende kende. L'hymne national du Gabon là a d'abord été joué à l'église Saint-Pierre. Père Namens avait fait chanter ça à Saint-Pierre. Monseigneur Walker était à l'orgue. Et à l'indépendance, maintenant, évidemment, les vieux ils préparaient ça en sourdine. On ne savait rien. Maintenant, à l'indépendance, nous, on avait appris l'hymne parce qu'on commençait à jouer ça à la radio. On commençait à jouer ça à la radio après le référendum de 58. Lorsque Radio Gabon est né, on commençait à jouer l'hymne. En 1960, par exemple, j'étais à Kinshasa en stage là-bas, et on repérait Radio Gabon avec l'hymne national. Donc, et là, on ne parlait pas encore de l'indépendance. Au moins, le peuple, les politiciens, ils c'est leur marmite là-bas. Mais le peuple ne savait pas l'indépendance. Alors, on connaissait donc ça. Et la nuit du 17 décembre, nous avons joué l'hymne national au cercle des Métis. Votre père est le compositeur de l'hymne national du Gabon. Quel sentiment cela vous inspire? Sentiment, d'abord beaucoup de souvenirs, parce que je me rappelle encore à cette époque-là où il, en rentrant d'une mission aux États-Unis, il était venu avec cette idée d'hymne national, en fait, qui germait depuis longtemps. Vous savez que mon père fait partie de cette génération qui a lutté pour l'indépendance bien avant que nous parlions de démocratie, c'était du temps du colonialisme. Donc pour lui, l'approche de l'indépendance avait un sens particulier et profitant d'un voyage qu'il avait effectué sur l'invitation du gouvernement américain, il est revenu avec cette idée que ses premiers notes, ses premiers airs de l'hymne national, c'est un peu cela, la première chose qui vient à l'esprit parce que cette période est encore bien fraîche dans notre esprit. Nous étions à Paris, c'était dans les années 59-60, et il avait pris rendez-vous avec la fanfare de la garde républicaine. Il avait amené son lot de partitions, les partitions de tous les instruments, trompettes, buts, premières trompettes, tous les instruments de la fanfare. Et il a remis le lot de partitions au chef de musique, et puis, ben ma foi, il se trouvait d'ailleurs en pleine répétition quand nous sommes arrivés. Ils ont interrompu leur répétition, et puis ils ont pris l'hymne national, et puis 1, 2, 3, ils ont exécuté. Impeccable, et j'ai encore en mémoire son sourire de satisfaction de voir vraiment la première fois qu'on entendait l'hymne dans son habit d'apparat, c'était vraiment formidable. En 1960, mon père est affecté en France, il est directeur de la Maison du Gabon. Nous nous retrouvons donc en famille, René Damas qui était pianiste. Moi, à l'époque, je faisais de l'accordéon, mais pas encore de la trompette, et je chantais. Les Songani faisaient du saxo. Et Kombe Maurice faisait de la clarinette. Donc le dimanche, souvent nous nous retrouvions dans l'appartement de mon père où il y avait le piano et puis on
On jouait pour le plaisir de jouer. Et puis un jour, passe devant la maison du Gabon des Ivoiriens qui étaient des musiciens, qui entendent des sons de musique et qui ont sonné, ils sont venus, ils se sont présentés. Ils disent, nous sommes Ivoiriens, on est musiciens et on est passé, on aimerait bien, si vous voulez bien, on peut faire un groupe ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à répéter ensemble. Et c'est comme ça que les Bantous de Paris sont nés avec 4 Gabonais et 4 Ivoiriens. Et à l'époque, il y avait le Kora. Et à travers le Kora, nous avions eu à faire quelques enregistrements qui ont été diffusés dans les radios africaines à l'époque. Et c'est comme ça que les années 62-63, ici au Gabon, on a commencé à entendre à travers Radio Gabon quelques chansons, quelques musiques de Bantous de Paris. Et c'est comme ça que l'année suivante, nous avons été invités en Côte d'Ivoire pour aller animer, participer à l'animation musicale à l'occasion de la fête d'indépendance. Et c'est comme ça que les Bantous de Paris ont commencé à prendre leur petite renommée. Après au Kolongo dissous, ça a été l'orchestre des Sphinx, qui a été dirigé par le fils Damas. Nous nous sommes retrouvés, Blaise Ongani, René Damas, Anguille Tom, Tonton Tom, Sungani Stanislas et d'autres frères, Songa Ernest. Et puis on a décidé de relancer notre affaire. Mais pour monter un orchestre, il faut du monde. Et c'est comme ça que nous avons découvert des jeunes qui nous ont rejoints. Il fallait un bassiste, Gaston Zibasso nous a rejoints. D'autres plus jeunes également, Henri Aloli nous ont rejoints. Les Martin Rompavé nous ont rejoints. Nous, dans les Sphinx, on avait un genre de musique qui n'était pas le même que celui de l'Alliance Rythme ou bien de Negro Tropical. Nous étions vraiment un orchestre de variété, c'est-à-dire qu'on jouait un peu de tout. Alors que les autres étaient vraiment confinés dans une musique que nous appelons une musique bâtarde, un peu, c'est une musique plus ou moins congolaise. Hein. Ce qui changeait un peu, ce sont les paroles, mais la musique, c'est-à-dire que toute la structuration musicale était pratiquement congolaise. Donc nous nous avons porté dans les Sphinx le style Bantous de Paris. Et puis nos jeunes recrues ont apporté la musique jeune de l'époque, c'était le style yéyé. Bon, nous sentions partis à l'aise dans ce style de musique. Et lorsque nous jouions, nous faisions la part des choses. Nous jouions en formation Sphinx, mais nous jouions aussi en formation mini-Sphinx. Nous étions quand même les 4 garçons dans le vent. Je reviens en arrière parce qu'il y avait donc Max Lukumu à la basse, il y avait Henri Aloli à la guitare, solo, James Addis, qui était un chanteur, un jeune béninois, qui faisait de la musique pop, et moi-même qui étais à la basse. Alors là, on était intenable, on ne pouvait pas organiser une soirée à Libreville sans qu'on ait appelé les mini Sphinx. Nous avons commencé à nous produire donc au Moulin Rouge d'Akébé, qui n'a jamais changé, il est toujours là, le Moulin Rouge, vers les années donc 68. Et en 1968, nous avons donc joué, je crois que c'était un Italien qui gérait le Moulin Rouge. Et cet Italien partira du Moulin Rouge pour ouvrir une nouvelle boîte qui s'appelait La Cabane, à La Lala. Là où se trouve Piso, la station Shell de La Lala. L'orchestre titulaire à la cabane de La Lala, c'était les Gaps. Les Gaps avaient pour chef d'orchestre Maurice Nkombé, parce que c'était un très grand saxophoniste, hein, Maurice Nkombé, qui d'ailleurs a joué, si ma mémoire est bonne, a joué avec M. Damas Claude dans les Bantous de Paris, avant qu'ils ne rentrent tous au Gabon. Je me rappelle qu'il y avait M. Hutton, Roger Hutton. Il y avait un certain David, qui était un très bon guitariste. Et c'était donc, si vous voulez, un orchestre opposé au Sphinx. C'est-à-dire que les Gaps jouaient beaucoup de musette, jouaient beaucoup de slow, c'est-à-dire du Fausto Papetti et les autres. Et quand nous arrivons donc à la cabane, à La Lala, nous avons fait une soirée.
Et quand le patron de la cabane qui était avant au Moulin Rouge a vu qu'on jouait, on avait un répertoire varié, je ne dis pas qu'on jouait mieux que les Gaps, mais on avait un répertoire varié, il était obligé de nous retenir aux grandes dames des Gaps. Donc il a libéré les Gaps et les mini-sphinx ont occupé la cabane. Je me rappellerai toujours qu'on avait essayé d'imiter une grande chanson de l'époque, Boucher en 67, Boucher de Majos. Celui-ci exécuté par l'Alliance au rythme, c'est la meilleure des danses de l'année. 66 en Afrique. Oui, partout, partout on y danse. Du Congo au Gaza, au Congo Kinshasa, du Gabon au Cameroun, de la RCA jusqu'au Mali. Majos, je crois qu'il était au lycée Léomba. Avec les Vicor Secondo et les autres. Et quand on imite Mac Joss, on va lui présenter notre album pour qu'il écoute et nous dise si on avait bien joué. Mac Joss, je me rappelle, nous avait félicité. Et je m'excuse, je voudrais bien savoir quel est l'âge exact de Mac Joss parce que moi je l'avais imité à cette époque. Et puis, vers les années 69, 71, bon, nous avons un peu passé la main et ceux qui étaient mini-sphinx, on a estimé qu'ils s'étaient colorés suffisamment dans notre style pour reprendre le flambeau des sphinx et ils sont repartis avec l'étiquette des sphinx. Et puis, on a vu arriver dans le groupe des musiciens camerounais, genre Ferrol et autres, qui ont enrichi l'orchestre, mais également avec une influence qui a dérivé un peu vers Amakosa. Donc c'est normal, chacun apporte dans le groupe ce qu'il a en soi. Et voilà comment les sphinx ont évolué à l'époque. De vous retrouver, content de vous savoir nombreux, d'avoir choisi Mama Radio, Radio Gabon, la station mère du pays. Votre investissement sera fructueux, car figurez-vous que je suis dans une quête personnelle, celle de partir à la recherche des trésors de notre musique. Je dois dire que j'apprends beaucoup de choses et que notre musique est plus riche que je ne l'imaginais. Alors j'ai pensé la partager avec vous. Le titre que nous allons écouter est une propriété d'Hilarion Guémin. Cette chanson est toujours entraînante et envoûtante, malgré les temps et les continents traversés. Espoir, maximum de respectabilité pour cette sonorité. L'espoir que j'avais, je commence à le perdre. Il y a bientôt 10 ans que j'attends ta promesse, puisque tu m'as promis et j'ai gardé confiance. Libreville, mon ami, je te veux. Ne me dis jamais un jour au revoir. Ah oui, elle garde toute sa fraîcheur, hein, cette chanson, Libreville, chanson culte du riche répertoire. C'est le cas de le dire. Ah oui. Parle-nous un peu de tes débuts dans la musique. Ben, ça remonte à mon jeune âge. J'ai commencé à... J'avais 8 ans, j'ai commencé à Sainte-Marie, chez les prêtres. Alors après la mort de mon père, ma mère était
veuve et nous étions des orphelins. Elle a jugé utile de nous mettre chez les pompères. Le père Peters de Saint-André avait ouvert une école de musique au Centre culturel français. Et là, les écoles menaient les élèves. Je me suis fait inscrire. Personnellement, je voulais faire le chant. Je trouvais ça mieux. Ben, ils m'ont dit non, il faut apprendre la guitare. Il avait amené 20 guitares et on était 20 élèves. Et ceux qui commençaient à s'adapter commençaient déjà à jouer partout dans les collèges. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de M. Adiwa Jean-Paul, alias Dardi Jean-Paul, on l'appelait. C'est l'ami d'enfance qui m'amène là-bas un soir, Chikaya Henry. Il vit toujours d'ailleurs. Il me dit, bon, il y a un orchestre, monsieur qui fait un orchestre, si on peut se réunir avec d'autres collégiens, nous sommes allés. Un soir, il a dit, bon, vous êtes des jeunes, moi je vous mets du matériel, et vous allez commencer à jouer ici. Cet orchestre avait pour leader un guitariste qui s'appelait Chebo. Et Chebo avait pour accompagnateur un certain Médoulé Papa Noël, qu'on l'appelait. Et on s'est adressé à Papa Noël pour lui apprendre un peu à jouer de la guitare. Et très bon élève, donc il s'est affirmé et est entré donc dans l'orchestre Jeunesse Bande de M. Adiwa, qui était un fonctionnaire de PTT. Allô, 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 tu peux me téléphoner. Si tu n'as pas de téléphone... Quand bien même que j'étais inscrit à l'école de musique au cercle culturel là, français là, je fréquentais un monsieur oui, qui avait un orchestre. Monsieur Moreau, c'est lui qui trouve un Cap-Verdien, un Portugais en quelque sorte, qui jouait la guitare portugaise, la bossa nova. Alors Monsieur Moreau a tout fait pour trouver cette guitare, elle n'avait que 4 cordes. Alors comme j'étais soliste, ça ne me disait pas grand-chose. Et après, M. Adiwa a acheté une méthode, la méthode Léo Laurent de l'époque. Il y en a toujours aussi dans les collèges, dans les lycées, je crois. Et cette méthode-là, j'ai commencé les premiers accords avec. Et l'orchestre Jeunesse Bande, notre formation s'appelait comme ça, a commencé à avoir de l'ampleur dans la ville. Et dans tous les établissements, les lycées Léon Bas, le CG d'Akébé, la plupart des collégiens de l'époque. On ne jouait uniquement que pour les établissements. On jouait d'abord pour les établissements. Et puis après, on jouait maintenant pour Adiwa a trouvé mieux qu'il faut jouer aussi pour le peuple. De tous les orchestres qu'il y a eu, je confirme, je reconfirme ici que c'était Afro Succès qui était vraiment le leader. On faisait des chansons populaires et on avait beaucoup de compositeurs et les gens aimaient ça. J'ai découvert l'orchestre Afro Succès qui était en train de se produire chez Madame Lapébi au bar Mathès, la canne à sucre, que ça s'appelait. Et là, j'ai entendu un jeune de mon dialecte, un chanteur qui s'appelait Jean-Bibi Ibuanga, Ibancélé, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui chantait comme ceci. Oumali bono mwanunga ou bibi, ba oumala ba moutou sou sou. Oumali bono mwanunga ou bibi,
Bama la bamo tu susu. Ayao nyambie ulabi Marie José. Et puis il y avait des filles qui venaient essuyer le visage. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, mais pourquoi un jeune homme comme ça chante? Pourquoi pas moi? Côté de la Montagne Sainte, il y avait aussi un orchestre qui jouait par là, l'orchestre Mélo Gabon, je voulais dire, Mélo Gabon du docteur Popol, avec Dengor, Serafino, Ndao Serafino, Mystérieux et Joe. J'ai vu le bassiste qui s'appelait Mystérieux. Je l'ai prié de m'introduire auprès du responsable qui était le docteur Popol, Paul Écomier qui s'appelait. Je lui ai demandé si je pouvais devenir chanteur. Ils m'ont dit, ah non, tu es trop jeune, tu ne peux pas être chanteur à ton âge. Il faudrait d'abord continuer l'école. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, moi je voudrais être chanteur. Je suis resté là toute la soirée. Ils ont démarré leur concert jusqu'à, je crois, 3h du matin. Et puis, je suis rentré chez moi à la maison. Et de là, je venais tous les jours aux répétitions, pendant que les autres étaient à l'école. Après le lycée, le soir, je venais aux répétitions. Nous sommes arrivés au mois de décembre, le 23 précisément. Ils étaient invités à l'embaréné. Bon, j'arrive le 23 au soir, je constate que l'orchestre n'était plus en place donc chez Mathès. J'ai appris par le gardien qu'ils étaient partis sur l'embaréné. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis allé, j'ai pris ma valise et hop, le 24 je me suis rendu à l'embaréné, j'ai suivi l'orchestre Mélo Gabon à l'embaréné. Et c'est depuis cette date que j'ai abandonné mes études et je me suis mis à la chanson. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, un groupe d'officiers occupe coup sur coup la présidence de la République, le bâtiment de la radiodiffusion télévision gabonaise et le camp Baraka. Le président Léon Ba et les principales personnalités du pays sont arrêtés et amenés au camp Baraka. Le chef de l'État est ensuite conduit à l'embaréné à bord d'une voiture militaire. Comme j'avais suivi l'orchestre à l'embaréné, je me suis retrouvé donc coincé à l'embaréné parce que le docteur Popol était parti en diplomatie et M. Ndao Serafino était parti en France pour suivre ses études. J'étais sur le bac. Je constate que sur l'autre rive, il y a une jeep et à bord de la jeep, il y a le président Léon Ba qui était entouré de deux militaires avec à son bord un chauffeur et quelqu'un qui était à droite du chauffeur. J'ai trouvé ça un peu curieux. Nous sommes restés là à regarder le président monter sur le bac dans la jeep. Il n'est pas descendu, hein, il était dans la jeep. Le bac est parti de l'autre rive à la rive de l'embaréné. Après, ils sont revenus et ont repris le même chemin pour repartir sur du côté de Libreville. La radio, en ces temps-là, n'était pas vraiment fiable. Hein, donc, nous n'étions pas au courant qu'il y avait quelque chose qui s'était tramé du côté de Libreville. Moi, n'étant pas militaire en ce moment, étant très jeune, j'aimais ma musique, je ne pensais qu'à cela. Voir le président Léon Ba entouré des militaires, je me suis dit pour moi que c'était normal, peut-être qu'il était en inspection ou bien en tournée, quelque chose comme ça. Mais je ne pensais pas vraiment qu'il y a eu quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose du côté de Libreville.
Je confirme ici que je n'avais pas de poste radio pour écouter parce qu'il n'y avait pas, de quelque chose qui pouvait me justifier qu'il y avait un coup d'État à Libreville. Le coup d'État de 1964 me trouve, je suis à Tubanga, où je suis déjà presque assigné à résidence. Pour la petite histoire, novembre 1963, il y avait eu des troubles, la police a raflé les gardes de mon quartier parmi lesquels j'étais. Je reviens après le coup d'État. C'est là où justement j'ai été libéré par le président actuel du Gabon. Voilà, je l'ai trouvé, il était Premier ministre, il a cédé au pouvoir un an après. Il était vice-président en tout cas. Le 19 mars 1967, après une campagne électorale qui s'est déroulée dans l'enthousiasme populaire, le peuple gabonais renouvelle pour 7 ans sa confiance au président Léon Mba et désigne comme vice-président de la République pour la même durée le jeune et dynamique vice-président du gouvernement, M. Albert Bongo. En 1967, donc, le président accède au pouvoir, le président Bongo, et c'est comme ça qu'on va nous appeler à la grande soirée, le grand bal d'investiture à la présidence de la République. Et je me rappellerai que nous avons joué ce soir-là. Il y avait aussi un orchestre camerounais, l'orchestre de Camille Briand, pour ne pas le citer. Et même ces musiciens de Camille Briand, il y en a qui sont restés jusqu'à ce jour à Libreville. Je pourrais citer Fefe, qui est un grand bassiste. Vous voyez ? Donc, c'est une époque que nous ne pouvons pas oublier. C'est une époque où on était humble. Chacun avait un peu son style, son genre, et chacun jouait pour un public déterminé. Mais tout ceci se faisait dans une ambiance où les uns les autres avaient de très bonnes relations et se respectaient mutuellement, s'appréciaient mutuellement. Quand un orchestre passait à la télévision ou à la radio, avec un programme vraiment bien détaillé, l'orchestre, les autres orchestres étaient obligés de se réveiller pour se dire, bon voilà, il y a tel orchestre qui est passé à la radio, ils ont joué tant de chansons, nous il faudrait que quand nous allons passer, on fera un peu plus. Donc tout ceci, ça a permis de créer, de mettre en place des ingrédients qui ont fait donc permis à la musique gabonaise d'évoluer en faisant un peu un magma de tout ça et en essayant d'évoluer en intégrant progressivement ce qu'il y avait de gabonais dans le style, en puisant dans nos rythmes, en puisant dans nos folklores et en puisant dans ceci. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la richesse de cette musique qui explose littéralement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Samyena weka chongo gumbawe itonda samyena weka.